Maman va vous préparer les croissants au jambon et à la mozzarella. Alors, en premier, tu allumes ton four à 180 degrés. Alors, pour cette recette, tu as besoin d'une pâte brisée, deux tranches de jambon, de la mozzarella et un couteau, tout simplement. En premier, tu déroules ta pâte brisée. Avec ton couteau, tu vas diviser en deux au milieu. Dans l'autre sens, pareil. Et encore une fois, au milieu. En tout, tu auras donc 8 parts. Tu vas couper ton jambon en 4. Donc moi, j'ai laissé les deux tranches superposées pour éviter de faire deux fois la même chose. Donc, tu auras donc 8 tranches de jambon. La mozzarella, tu vas couper 4 lamelles. Hop, ça, tu le laisses de côté. Et encore une fois en deux. Tu as donc 8 lamelles. 2, 4, 6 et 8. Tu places le jambon en bordure. Et tu viens placer la mozzarella au bord, pareil. Maintenant, tu vas rouler. Chaque part sur elle-même. Tu as donc 8 petits croissants. Tu vas mettre tes croissants 30 minutes au réfrigérateur et ensuite tu vas les mettre 15 à 20 minutes au four qui sera donc chauffé à 180 degrés comme on l'a dit tout à l'heure.